C'est en 1676 que les missionnaires jésuites fondent une mission catholique sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, près de Ville-Marie. Tout un monde à découvrir est aujourd'hui à Kanawaki, communauté située à 8 km au sud-ouest de Montréal. Des Mohawks convertis au christianisme s'y installent. L'histoire nous les fera connaître sous le nom des Indiens de Caughnawaga. Ils s'allient d'abord au régime français, puis après la conquête, à la couronne britannique. D'ailleurs, ce sont eux qui, une fois prévenus par leur assécar, mettront fin à la tentative d'invasion de Montréal par les Américains. Kanawaki signifie le rapide, en référence au rapide de la Chine. John, nous sommes ici à Kanawaki. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de la communauté? OK. Kanawaki, c'est la communauté Mohawk, la plus grande réserve dans la province de Québec. Compte à peu près entre 9 et 10 000 habitants. Langue parlée, 100 % anglais, 50 % Mohawk et à peu près 5 à 10 % français. Combien il y a de Mohawks au Québec? Au Québec, la communauté Mohawk, elle est la deuxième communauté la plus nombreuse. On compte entre 13 000 et 15 000. La première communauté la plus nombreuse au Québec, ce sont les Cris. Historiquement, l'origine des autochtones, quoi qu'on pense, qu'on a écrit, ils disaient qu'ils arrivaient de l'Asie, à travers le détroit de Bering. Mais pour les autochtones, ils pensent qu'ils viennent plutôt du sud, l'Amérique du Sud, des îles aussi, et qu'ils se sont éparpillés en plusieurs groupes. On en retrouve aux États-Unis, Cheyenne, Apache, etc. Mais il y en a qui sont allés plus loin. Et on les retrouve au Québec. Les autochtones, les Mohawks autour, c'est des hommes très bâtis, très grands. Par rapport aux guerres, on sait que les Mohawks sont toujours qualifiés de guerriers. Qu'ils sont des guerriers, oui, c'est parce qu'ils défendaient leur territoire. Mais il faut pas, on ne peut pas dire qu'ils étaient les seuls, parce que toutes les nations indiennes d'Amérique du Nord pratiquaient le même style de guerre, pratiquaient autre chose, moins agréable aussi. Qu'est-ce qu'il y avait, les Iroquois? C'est peut-être des stratégies différentes de faire la guerre, de faire la guérilla. Alors, cette initiation à être guerrier, comment ça se passait? Oh, l'initiation, il y avait des initiations assez spéciales. D'abord, on commençait l'éducation des enfants, autant pour les femmes à être des futures épouses, des futures mères responsables. Pour les guerriers, l'éducation, c'était le futur d'un garçon. C'est d'être un bon guerrier, peut-être un bon père de famille, responsable et défenseur de la communauté, pas seulement de sa maison. On commençait tout jeune. Par la suite, il n'y avait pas vraiment de textes. Ça se développait tout seul. Le fait du combat qu'on pratiquait entre guerriers, il y avait un sport particulier qu'on pratiquait qu'on appelle la crosse. Et la crosse, c'était un sport individuel. Et on dit même que ça endurcissait l'individu, parce que le jeu était simple, c'était attraper une balle avec un objet et puis essayer de traverser le territoire pour la porter de l'autre place. Flint of your dance? Well, what I was doing was a traditional intertribal. It was a men's traditional intertribal dance. This dance, we gather all across the country every weekend at festivals we call powwows. At these powwows, we, after the grand entries, we open these with the intertribal dances. This is when everybody, not only the dancers, but the people who come to spectate, people who come to trade, people who come to buy, at the powwows, everybody's invited. This is where we build our friendships. This is where we share our hearts with each other. This is where we make new friendships. And there are many different dances. There's over 100 different styles of dance. We have war dances. We have other social dances. We have round dances. We have dances that are done in ceremonies that we don't share.
different dances we'll do here in Gatnawage, mostly Iroquois, and again, this was a traditional intertribal dance. Here in Gatnawage, where I'm from, we share our culture, we share our traditions, we share our history, we share not only our past, but we also share our present and our future with visitors from other Indian nations as well as from European and Asian nations. What I'm wearing is traditional Iroquoian warrior style. We have gastoas that only the chiefs are supposed to wear. This is called a roach. This is a warrior's headdress. Now this roach, this is the hair of the porcupine, or in French they call it the porky pig. And then the small hair is the hair of the deer, or de cerf, I think. Yeah. This is for the warrior to wear. The spirit of these, the warrior does his ceremonies and he does his fasting, and he asks their spirits to come into him because he needs the strength, the endurance, and the speed of the deer. He also needs the gentleness and the sureness and the calmness of the porcupine in war. And this, as you can see, it attaches to a scalp lock. This is a raven's claw that protects my spirit and protects me from anything that would try to enter me that I don't invite. It tears at these things that I don't invite, and it allows the spirits I invite to come through. Hey. This is for a warrior. This is, I guess it's a, when the Europeans came, they had the guns. Now they would shoot the guns, but they could only shoot it once, and we would be upon them and kill them. After trading and trading, we had guns. The gun was useless. After you shoot it, it's useless. So we would take it up and we would smash our enemy with it. And so we fashioned, after the introduction to the guns, you know, they were useless after one shot. Then you had to use the gun itself as a weapon. So it was easier. These became Iroquoian style, as well as the Europeans traveled further west, other nations saw it as the same thing, had made the same clubs, because it was useless after one shot. They had to use it as a club. So we fashioned clubs after the gun style. Jean-Yves, quand on parle des Mohawks, on les assimile toujours aux guerriers. Alors d'où vient cette image-là? Ben, le Mohawk est Iroquoien, on les appelle aussi Anyanyeronon, qui sont membres de la Confédération des Cinq Nations Iroquoises, à l'origine des Cinq Nations, plus tard qui est devenue Six Nations avec l'ajout des Tuscarora. Le Mohawk n'est pas guerrier, le Mohawk est avant tout un agriculteur, c'est avant tout un commerçant, mais en temps de guerre, le Mohawk est guerrier, enfin, comme tous les Autochtones le seront. Cette dénomination de guerrier lui vient surtout de la perception qu'avaient les Français des Mohawks, puisque les Mohawks étaient alliés des Anglais et avant ça des gens des Pays-Bas, et étaient en guerre contre les Français. Donc, c'est ce guerrier-là qui vient me faire la guerre, qui vient guerroyer ici, dont on se fait une image. Une image qui a son pendant, par exemple, pour les gens de Nouvelle-Angleterre, c'est l'Abénaki qui est le guerrier. Au Québec, on pense à l'Abénaki comme étant un pacifiste, un gentil. Mais pour les gens de la Nouvelle-Angleterre, l'Abénaki, c'est le diable, c'est le grand guerrier. Alors, c'est une question de perception. Il y a une culture guerrière chez tous les peuples autochtones en temps de guerre. Mais autrement, non. D'ailleurs, chez les Mohawks, ce sont les femmes qui gouvernent. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne gouvernent qu'en temps de guerre. En temps de paix, ce sont les femmes qui gouvernent. Alors que de parler d'une culture guerrière chez les Mohawks, ça ne fait pas tellement de sens. Alors, où est-ce qu'on est là, John? Là, on est à l'intérieur d'un village iroquois. Palissade. Palissade était énorme. Le village, ça occupait d'abord un grand territoire. Les palissades peuvent être construites en rond, ou en carré, ou en rectangle, toujours proche de l'eau. Dans tous les villages? Dans tous les villages iroquois, il y avait des palissades. C'était une défense, au bout du compte, soit contre les animaux, mais plutôt contre les ennemis. Les femmes avaient des rôles à jouer très importants. D'abord, dans chaque clan, il y a une femme qui est le chef de clan. On a
trois clans ici, admettons qu'il y a 30 maisons, 10 de chaque. Chaque clan a une femme qui le représente. Une vraie maison longue, elle fait trois fois la longueur, deux fois la largeur. Ah oui? Oui. Un clan, 6 familles maximum, 60, 70 personnes. Mais ils faisaient beaucoup d'enfants. Ils avaient toujours autrefois 4 ou 5 enfants par famille. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ils ont 4 ou 5 familles par enfant. Ça change les choses, hein? OK. La question? Non, c'était savoir, les villages pouvaient être très grands. Oui, ils pouvaient avoir jusque, d'après les officiers anglais et français, qu'ils étaient supposés être des bons dessinateurs, commentateurs, parce que les rois en Europe voulaient avoir des informations. Les nations, les gens qu'on vivait, politique, religion, la manière de vivre. On dit qu'on trouvait des villages jusqu'à 100 maisons longues. Oui, on va rentrer dans la maison longue. L'ours. Dans la Gonusesna, maison longue. Les lits superposés. Première place en bas réservée aux seigneurs, aux anciens. La raison, beaucoup de respect pour tout le monde, mais surtout les anciens, que c'était les livres de la mémoire. Les Indiens n'avaient pas d'écriture. C'est les anciens qui transféraient leur savoir aux générations à venir. De ce côté ici, on a les peaux, mocassins, les chemises avec des franges, des vestes. Des fois, il y a deux ou trois rangées de franges comme ça. Alors, si moi j'avais cette veste à l'extérieur et qu'il neige très fort, la neige s'accumule sur moi, je fais juste comme ça, les franges font tomber la neige. C'est la voilà. C'est une raison, une des raisons. La deuxième, c'est que s'il pleut, je rentre à la maison et tout mouillé, je le suspends au bout de deux heures, les franges font couler l'eau plus vite. Alors, c'est une protection. 14 de rêve, c'est une toile d'araignée. Il y a différentes légendes pour ça. Chaque nation a la sienne. Le 14 de rêve, la grandeur, la largeur, c'est pas important. Son rôle, c'est de filtrer les rêves. OK? C'est-à-dire, on dit que les rêves viennent du ciel, rentrent par la fenêtre. D'ailleurs, il ne faut jamais le mettre contre un mur, mais toujours détaché du mur. Une fois dans la chambre, vous dormez, ils sont attirés, les rêves, par le filet, par la toile. Les cauchemars aussi viennent du même coin. Donc, moi, ils venaient de ma belle-mère à l'époque. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont attirés aussi. Mais le rôle, c'est de connaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Tout qu'est-ce qui est bon passe à travers, glisse sur les plumes et vient dans votre sommeil. Tout qu'est-ce qui est mauvais, même les mauvais esprits, restent pris dans la toile, prisonniers toute la nuit. Le matin, la lumière du jour qui touche le capteur brûle tout qu'est-ce qui est mauvais. Le nettoie, vous vous réveillez, vos rêves reviennent là. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette visite? Comme nous avions des invités, nous voulions en fait leur montrer un peu quelque chose qui n'est pas très visible à Montréal. Ensuite, c'est que malgré tout, c'est difficile à Montréal d'avoir accès à cette culture-là. En fait, on en a un aperçu dans les musées. Par exemple, mes enfants qui ont fait leurs études à Montréal ont appris certaines choses dans les écoles, mais en fait, c'est constamment anecdotique. Et ce que je trouve intéressant, particulièrement dans ce cas-là, ici, aujourd'hui, c'était qu'on arrivait mieux à cerner, même socialement, ce que ça pouvait être, cette nation iroquoise et comment ils étaient organisés. Même s'il y avait des détails intéressants, il y avait quelque chose, globalement, qui était plus riche. Pouvez-vous nous parler de l'Église, de l'histoire de l'Église de Kanawaki? La mission Saint-François-Xavier a été fondée à la Prairie en 1667. Les pères jésuites, qui étaient déjà dans la région depuis un certain temps, ont décidé de ramasser ensemble des autochtones de plusieurs tribus qui s'intéressaient à la foi catholique. Est-ce qu'on sait si les missionnaires avaient connaissance de la spiritualité des autochtones? Est-ce qu'ils y prêtaient attention à cela? Un phénomène dont on est certain, c'est qu'ils ont dû apprendre la langue et se donner une façon de l'écrire pour la maîtriser, pour comprendre comment traduire en concepts ou
en langage autochtone, un peu les réalités de la foi catholique qu'ils apportaient avec eux. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient intéressés à savoir, à part ce qu'ils voyaient de coutumes, de pratiques, exactement la nature des croyances autochtones. C'est une culture Mohawk, moi je dis ça, ça paraît un peu généralisateur et parler dans les grands termes, mais au fond, qui s'alimente moins à la notion de hiérarchie comme nous la connaissons dans nos civilisations occidentales, surtout dans un système confessionnel comme l'Église catholique. Ce qui veut dire que si on leur laissait le choix, disons, de construire leur Église selon leur instinct de rassemblement de communication, ce n'est pas ce modèle qu'ils suivraient. Et ça, vous en trouverez dans différentes communautés autochtones à travers le pays. L'Église est plutôt semi-circulaire, l'autel est au centre du peuple, les gens communiquent en cercle, le prêtre n'est pas plus élevé, il n'y a pas un sanctuaire mieux illuminé, mieux éclairé, mais les gens sont de même niveau. Parce que dans leur culture, il n'y a personne qui peut se situer au-dessus des autres. Il y a un personnage que l'on retrouve au sein de toutes les communautés quand on visite les églises, c'est Kateri Tekakwita. Vous pouvez nous parler d'elle un petit peu? C'est une jeune fille née d'un chef Mohawk et d'une mère catholique algonquine. À l'âge de 4 ans, son visage a été ravagé par la petite vérole, à telle enseigne qu'elle était techniquement aveugle, dans le sens qu'elle ne pouvait pas supporter la lumière du jour ou du soleil. En 1677, elle a rejoint la communauté à la deuxième chapelle, ici à Côte-Sainte-Catherine. Elle a fait sa première communion le jour de Noël, et elle a vécu 3 ans seulement après. Donc, le mercredi saint de 1680, elle est décédée d'une mort naturelle, de faiblesse. Et le moment même de sa mort, ou quelques instants après, sa chair s'était toute transfigurée, comme si elle n'avait jamais été malade. Alors, elle est donc une personne de cette communauté. Son nom de baptême, c'était Catherine. Alors, Kateri, ça vient de Catherine, la façon Mohawk de dire le nom de Catherine, Sainte-Catherine de Sienne. Et Tekakwita, ça veut dire celle qui s'avance en hésitant, en tâtonnant, ça faisant allusion au fait qu'elle hésitait, hein, en se déplaçant, parce qu'elle ne voyait rien. Alors, on est ici au pied du tombeau de Kateri Tekakwita, qui a toujours été ici? Ses restes ont toujours accompagné chaque déménagement. Sauf que les temps derniers, ils étaient dans une châsse recouverte de verre et scellée qu'on pouvait apporter la vénération des fidèles. En 71, il y a quelqu'un qui a failli se sauver avec la châsse. D'où la décision immédiate qui a été prise. Alors, on lui donne un lieu de sépulture digne et permanent une fois pour toutes. John, c'est quoi la création du monde pour les Mohawks? Pour les Mohawks, la création du monde se passe dans une légende assez longue. On dit qu'une femme est tombée du ciel. En bas du nuage, il y avait l'eau, le monde de l'eau. Elle est tombée dans la mer. Elle a failli se noyer. Plusieurs animaux se sont lancés à son secours pour la sauver. Plusieurs se sont noyés. Et il y en a un, c'est un... Je ne me rappelle plus le nom, pas un raton laveur, un rat musqué, okay, qui s'est lancé à son secours et il a rencontré une tortue. Et la tortue a dit, moi je vais la sauver. Elle est allée en dessous de la dame et pendant qu'elle calait, elle l'a prise sur son dos et l'a remontée. Le rat musqué s'est noyé et il est remonté à la surface tout seul. La femme, remontée à la surface, elle est revenue à elle sur la carapace. Elle a vu le rat musqué, elle l'a pris en pensant qu'il était encore vivant, et lui a ouvert les griffes. Et dans les griffes, il y avait de la terre. La terre s'est répandue sur la tortue, sur la carapace, et a commencé à se répandre, à grandir, à grandir, à grandir. Et là commence la création de la terre sur la carapace. C'est pour ça qu'on dit que la tortue, c'est l'esprit de la terre. Puis cette femme a eu des enfants. Et ces enfants ont marché toujours plus loin sur le dos de la tortue en agrandissant la terre. Et finalement, on a la boule qu'on connaît aujourd'hui. John, est-ce que vous pouvez nous parler de la Confédération des Cinq Nations?
OK. La Confédération des Cinq Nations a été formée à peu près au 12e et 13e siècle. On n'est pas sûr des dates, mais elle existait quand les Blancs ont découvert ce pays. Une chose, c'est que plusieurs nations ont été contactées par un chef qu'on appelait Ayawat pour former cette confédération, c'est-à-dire mettre fin au conflit. C'était un grand chef qui était d'où? De quelle communauté? Mohawk, Ayawat. Et finalement, il y a seulement 5 nations, comprises, la sienne comprise, qui ont accepté de former cette confédération, c'est-à-dire faire une union pour protéger le territoire, protéger la culture, etc. Quand on parle des faux visages, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les faux visages sont les esprits des anciens, les esprits des ancêtres, les esprits qui étaient là avant. Un faux visage, c'est un masque, mais un masque qui vit, qui doit être nourri. Il a sa propre prière, il est vivant. D'ailleurs, on le sculpte à même un arbre vivant. C'est une des plus grandes exceptions. On se sert très peu de matériel vivant chez les Autochtones, mais le faux visage est sculpté à même un arbre vivant. Et une fois qu'il est fini, qu'il est sculpté, seulement qu'à ce moment-là qu'on le détache. Les faux visages ont un rôle particulier qu'ils vont tenir pendant certaines cérémonies. Là, par exemple, le festin des morts ou les cérémonies de la cueillette, surtout du maïs. Alors, ils ont certains rôles très spécifiques à jouer à ces moments-là. Et comme je l'ai dit, chaque masque, même s'il a un utilisateur, habituellement celui qui l'a sculpté, celui qui le porte, ce masque-là a sa propre vie, sa propre personnalité. Certains masques sont plus maléfiques, d'autres sont beaucoup plus bénéfiques. On s'en sert pour aussi faire peur aux mauvais esprits. Enfin, ils ont plusieurs utilités. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ces masques-là sont sacrés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de vrais faux visages en exposition. Par exemple, on ne les filmera pas. Ce qu'on voit habituellement dans les musées, ce sont des copies de vrais faux visages, donc des faux faux visages. From the spirit world in my dreams, he asked to walk with me, and he told me that he would look after me, that he would stand with me. And he asked to be brought into this world so that he could physically do this. And his name again is Radadawis, which means he carries himself. He is strong enough to walk on his own, and he walks with me. And here we have my other son. This is Dehanyode. And Dehanyode, he was the second one to ask to come. And Dehanyode said, if you bring me into this world, I will stand by your side, and I will not let anyone or anything come past me to hurt you. And here we have my other son. And this is Radekeda. And Radekeda, he crawled to me in his dreams, in my dreams, because these two were his dreams. And he asked, if you bring me into the world, I will always keep the fire. And Radekeda means he keeps the fire, or he makes the fire.